Sur les conseils de votre médecin, vous pouvez être amené à prendre votre tension à domicile. Ce sera notamment le cas si votre praticien soupçonne un risque d'hypertension ou si vous avez connu des troubles cardiovasculaires. L'opération n'est pas compliquée, mais quelques consignes sont à respecter. Deux types de tensiomètres, tous deux électroniques, sont destinés aux automesures. Les modèles à bras s'enroulent au-dessus du coude. L'écran sur lequel apparaissent les résultats peut être relié par un cordon ou bien installé directement sur le brassard. Le tensiomètre à poignet se place sur l'avant-bras. Son écran est disposé sur le brassard. Certains de ces appareils sont connectés en Bluetooth via une application qui permet de conserver et gérer l'historique des données. D'autres, dépourvus d'écran, fonctionnent exclusivement avec le smartphone ou la tablette. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les nouvelles technologies, nous vous déconseillons ces versions 100% connectées, plus complexes d'utilisation. Quel que soit le modèle que vous choisissez, des conditions sont à respecter pour obtenir des mesures fiables. Une demi-heure avant de réaliser la prise, il est fortement déconseillé de fumer, de prendre un bain, de faire de l'exercice ou de boire de l'alcool. Il vous faut vider votre vessie au préalable. Pendant la période de mesure, prenez votre tension 3 fois le matin, avant le petit déjeuner et la prise de médicaments, puis 3 fois le soir, entre le dîner et le coucher. Le moment venu, asseyez-vous confortablement à une table, les pieds posés à plat et le dos soutenu. Reposez-vous 5 minutes avant de commencer. Positionnez le brassard sur un bras nu, 1 à 2 cm au-dessus du coude ou au-dessus du pli du poignet, selon le modèle, en le serrant un peu. Utilisez toujours le même bras pour l'ensemble des mesures. Le brassard doit être positionné au niveau du cœur. La position à adopter est plus simple avec les modèles à bras. Il suffit de poser l'avant-bras sur la table. Maintenir le poignet à hauteur du cœur s'avère plus complexe. En cas de mauvaise position, les mesures peuvent être faussées. Une fois la mesure lancée, il ne faut ni bouger ni parler. La prise dure moins d'une minute. Si votre brassard est mal positionné ou si vous bougez pendant la prise, un message d'erreur peut vous avertir. Il faut alors recommencer l'opération. Quand vous avez terminé, les résultats s'affichent sur l'écran du tensiomètre ou directement sur le smartphone. Vous pouvez les reporter sur une feuille d'automesure ou sur tout autre support papier ou les enregistrer dans l'application. Ces données indicatives sont à transmettre à votre médecin. Lui seul saura les analyser en fonction de votre profil médical.